Eh ben, les amis, aujourd'hui c'est un grand jour car nous avons la mise à jour des combats, donc la suite mise à jour combat qui apporte du coup le nouveau bestiau, le nouvel animal aquatique officiel du jeu, donc le rhinosaurus avec le pounce et le grab, ce qui te permet de t'agripper aux proies ainsi que de t'agripper. Enfin, d'agripper d'autres bestioles, mais les entraîner sous l'eau, pour le sarco par exemple. Donc on testera cette mise à jour, enfin cette capacité plus tard. Là on va tester le dino. Le dino je l'ai déjà testé sur le serveur, j'ai déjà joué, ça fait déjà plusieurs jours. J'ai pas trop eu le temps de faire la mise à jour parce que j'avais testé, je testais justement les dinos, les capacités, tout ça, donc j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Et puis j'ai d'autres vidéos que j'ai faites entre temps, puis qu'il faut que je poste, donc voilà. Ceci étant dit, nous allons tout de suite commencer par mâle et femelle. Ok. Faut voir un peu les motifs. Ok. Alors, on a plus 3 d'attaque damage, plus 5 d'armure, stamina recovery. J'aime bien celui-là. On va prendre celui-là. Hop là. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Alors, déjà son animation quand il nage. Ah ouais, allez. J'ai l'impression qu'il nage très 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 vite. Par contre, j'ai juste remarqué un truc qui est pas très réaliste et vraiment dommage. Il a de l'oxygène. C'est un poisson. Un poisson, ça n'a pas besoin d'oxygène, quoi. Mais bon, on va passer ce petit détail, c'est pas non plus incroyable. Donc on va tester ensuite quand il nage vite. J'ai l'impression qu'il nage ouais, vraiment très très vite. On va tester ses calls dans l'eau et à l'extérieur. Donc. Ok. Bien insupportable. J'aime bien celui-là. Ça, j'aime bien. J'aime bien le petit. Yeah. Bon, après, écrit des monstres tout le temps les mêmes. On va se mettre à la surface. Enfin, s'il veut bien. Voilà. Ça fait vraiment un requin. J'aime bien le petit comme ça là. C'est sympa, c'est stylé, j'aime bien. Alors, couche-toi. Voilà. Ok, bon, la tête dans le sol, c'est qu'un détail. Bah, il y a aussi la tête dans le sol là. On va se vivre des petites marques. Pas de marques. Paf. Alors, donc le skin de base on a vu, le skin baker que j'aime beaucoup. Celui-là, j'aime trop, c'est un peu bizarre mais il est joli. Je trouve qu'il a des skins assez assez original, j'aime bien. Mais il y en a quand même deux que je porte un peu dans mon, deux fois que j'en porte, que je porte dans mon cœur. Celui-là, je le surkiffe. J'adore. Avec son nez rouge là. Celui-là est sympa. J'aime pas trop, mais je bien en même temps, c'est chelou à expliquer, mais. Ah, celui-là, je l'adore. J'adore celui-là avec le bleu. Albinos toujours incroyable.
Et voilà, donc les capacités dans la tête, il en a un autre. Donc, ça, je vous montrerai juste après. Hop. Niveau régime, il a que piscivore, écaille. On va mettre ça, mais je vous laisse regarder ça pour ceux qui veulent. Le fameux Pounce, ça c'est incroyable. On va tester toutes ses capacités. Bon, sauf celle-là, voilà, c'est pas une attaque. Et ça, on pourra pas tester parce qu'il faut être en groupe de deux, minimum. Alors, par contre, ça c'est un truc que je ne comprends pas. C'est pourquoi avoir mis une attaque de queue pour un dino marin. En plus, aussi maniable et aussi rapide, ça ne va pas servir à grand chose au final. Mais bon, alors, du coup, il a son attaque normale, le Pounce. Voilà, et ça nous plante en croix. Le coup de queue. Et nous avons la petite fente que j'ai ratée, bien évidemment. Et voilà. Toujours pareil pour tous les dinos marins, j'ai l'impression qu'ils peuvent sauter hors de l'eau, sauf la tortue. Et le dingue, je crois. Donc, les deux autres capacités. Une petite musique de fond. C'est stylé, c'est sympa, j'aime bien. Hein. Donc, nous avons cette attaque de mâchoire là, qui fait énormément de saignement. Et l'autre que je sais pas trop ce que c'est un boost de vitesse, visiblement. Ah, c'est juste pour aller un peu plus vite, quoi. Mais ça veut dire, tu fais hop pour aller un peu plus vite, t'attends un peu. Ah, bah non, c'est soit t'en fais un, soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre en fait. Et quand tu l'utilises, j'ai l'impression que ça prend le même timer. Ah, ça prend moins de temps de faire celle-là, mais elle dure moins longtemps aussi. Et donc, bon. Et il peut bien sûr aller sur la terre ferme. Donc bah écoutez les amis, c'est tout pour la vidéo de présentation de l'Orinosaurus. Et dans les prochaines vidéos, on ira voir et tester. Oh, le petit bâillement. La mise à jour combat. Ou probablement d'autres dinos si je ne fais pas la mise à jour combat d'ici là. Mais une chose est sûre, c'est que j'essaierai de la faire si on a le temps avec les autres de faire une petite présentation. Voilà, ça pourrait être sympathique. Donc sur ce, les amis, je vous dis à plus. Ciao, ciao.